Genèse chapitre 17 au verset 13. Traduction Abbé Filion. Ce pacte sera marqué dans votre chair comme le signe d'une alliance éternelle. Comme le signe d'une alliance éternelle. Dans d'autres versions, on dit à perpétuité. Comment se fait-il qu'il y a des gens maintenant qui viennent prêcher que la circoncision n'est plus d'actualité alors que Dieu avait dit que c'est une alliance éternelle à perpétuité qui ne finira pas tant qu'il y a la terre ici là. Donc Dieu change d'avis maintenant. Ah, Dieu change d'avis. En tout cas, le Dieu que moi je connais ne change pas d'avis. Il ne se contredit pas. Nombre 23, 19, Bible second 21. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Point d'interrogation. Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplirait-il pas? Psaume 89 au verset 35. Dans la Bible du Semeur, dans d'autres versions, ce n'est pas dans le verset 35, mais je lis dans la version Bible du Semeur, Psaume 89, verset 35, qui dit « Non, virgule, car je ne trahirai jamais mon alliance et je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. » Point. Vous voyez, point. Donc Dieu ne revient pas sur ce qu'il a dit. Si Dieu a dit « Faites-vous circoncis », ça va être à perpétuité de génération en génération, éternellement. Aucun homme n'a le droit de venir dire que la circoncision selon la chair n'est plus importante. Dieu n'a pas dit ça. Dieu ne change pas d'avis. Dieu dit bien, Dieu ne change pas d'avis.